Le président de la transition a également reçu hier à son cabinet la société Infra Group spécialisée dans le domaine énergétique. Au menu des échanges, l'amélioration de l'offre énergétique dans notre pays. On retrouve Bienvenue Minko. La construction des lignes et des postes électriques, un défi majeur pour le président de la transition qui a reçu à son cabinet la multinationale Infragroup spécialisée dans le domaine. On était accueillis par le président en présence du ministre de l'économie et du ministre de l'énergie et de l'hydraulique. C'était à propos du projet avec Siemens Energy pour la construction des lignes électriques et des postes électriques. C'est la société Infragroup. Nous sommes une société dont le siège est à Abidjan. On travaille dans les secteurs de l'électricité, dans l'eau, assainissement et dans la construction des bâtiments. Ce que je peux ajouter peut-être, c'est que ça fait depuis 2 semaines là, avec nos équipes techniques, on est en train de visiter des sites pour qu'on avance rapidement avec les études. À travers ce projet structurant, le général Brice Clotaire-Oligui-Nguema entend améliorer la desserte en énergie électrique vers les réseaux de distribution pour un impact significatif sur l'offre énergétique de la capitale et de l'ensemble du pays avec pour but ultime de garantir de meilleures conditions d'existence chaque jour aux consommateurs.